Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue du coup sur ce nouveau webinaire. On va patienter un petit peu, laisser juste le temps aux quelques derniers d'arriver et puis on commencera ce webinaire. Bon, simplement en attendant que tout le monde arrive, moi je vais déjà commencer à présenter un petit peu les différents éléments. Donc hop, vous devez voir tout de suite. Je vais partager mon écran déjà pour commencer. Alors, hop, simplement, hop. Hop, voilà, que ce soit sur le bon écran. Alors, on va commencer là, le temps que je fasse mes manips, les derniers ont dû arriver. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va se concentrer donc sur notre logiciel Optimu. C'est Reynald présent avec moi qui va assurer cette présentation. Mais comme toujours, avant de lui laisser la parole, je vais prendre un petit peu de temps pour représenter Deltamu, qui on est. Alors, très vite, hein, parce que vous êtes maintenant régulier, donc vous commencez à nous connaître un petit peu, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Donc, Deltamu en quelques mots. Donc, on est une société spécialisée en métrologie. Notre activité se décompose sur trois axes. Donc, on a notre logiciel de métrologie Optimu pour faciliter la gestion du parc d'instruments et gagner du temps. Donc, que Reynald va vous présenter aujourd'hui. Alors, lui, il va aller plus loin que simplement la gestion classique d'un parc d'instruments. On va s'attarder là aujourd'hui sur la maîtrise, la dérive des instruments. Donc voilà pour la partie Optimu. Ensuite, on fait également des formations en métrologie. Donc, on va de l'initiation à vraiment des accompagnements sur des sujets beaucoup plus complexes. Alors, l'initiation, ça va plus être des formations qui s'adressent par exemple à des personnes qui viennent de la production ou de la qualité, qui ne sont pas métrologues de formation, mais qui se voient confier des missions supplémentaires dans ce domaine-là, donc qui ont besoin d'acquérir déjà le vocabulaire, les méthodes de base, ainsi de suite. Et puis quand on part sur des choses plus complexes, on peut faire de l'accompagnement sur du calcul d'incertitude, sur la mise en place de périodicité d'étalonnage avec nos méthodes, ainsi de suite. Et enfin, on a la partie prestations, où là aussi, on va aller de prestations simples et pas forcément qui durent dans le temps, à des prestations beaucoup plus complexes, beaucoup plus importantes, et où là, on est sur des prestations qui durent dans le temps. On va par exemple pouvoir proposer de la gestion globale de parc. Donc là, on devient en quelque sorte le service métrologie de l'entreprise. Pour aller un tout petit peu plus loin, donc même si j'en ai parlé déjà en première intention, donc Optimu, on a détaché quatre grandes familles de fonctionnalités. Donc la partie gestion avec voilà la gestion quotidienne des instruments de mesure, la partie étalonnage avec la possibilité de créer vos procédures et de vous servir aussi de procédures exemples qui se basent sur les référentiels normatifs. La partie optimisation avec les trois méthodes d'optimisation de périodicité d'étalonnage qui sont regroupées au sein d'un fascicule AFNOR, le FDX 07014, et qui sont disponibles au sein d'Optimu. Et enfin, des fonctionnalités de calcul, notamment pour tout ce qui est calcul d'incertitude et également calcul statistique pour tout ce qui est MSA. Voilà pour ma part, j'ai rapidement fait le tour de l'introduction que je souhaitais faire et je vais pouvoir laisser la parole à Reynald et lui confier également la main pour partager son écran. Alors, hop. Et je vais du coup couper ma caméra parce que c'est surtout Optimu qui va vous intéresser maintenant. Et je laisse la main à Reynald. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les envoyer. Je pourrais essayer d'y répondre en direct et sinon on prendra un moment à la fin pour les aborder. Donc, Johan, tu me confirmes, tu vois bien mon écran? Oui, je vois ton écran, pas de souci. Et hop, tu dois voir mon diapo. Tout à fait. Parfait, très bien. Bon, donc Johan, je compte sur toi. Hein, si jamais à un moment je fais une fausse manip et que malheureusement
vous perdez la visu sur mon écran ou autre, je compte sur toi pour me faire signe. Pas de souci. Une fois que je vais être parti, forcément, je vais avoir un petit peu de mal à m'arrêter. Donc, on va parler aujourd'hui donc du suivi des instruments dans Optimu et de comment aller plus loin dans ce suivi des instruments. Alors, pour commencer, moi j'ai repris là un paragraphe de la FDX 07007. Donc, le document FDX 07007, c'est le guide d'application de la norme ISO 10012. Donc, ISO 10012, on en a déjà parlé, c'est la norme qui traite en fait du système de management de la mesure. Donc, cette norme date de 2003, elle est actuellement en cours de révision. Hein. C'est la France qui est leader dessus, c'est ma collègue Peggy Courtois du service de métrologie qui s'occupe. Donc, qui est le leader sur le projet de révision de cette norme. Et donc, ce document FDX 07007 apporte des informations supplémentaires sur l'ISO 10012. Et il y a un paragraphe qui traite de l'implication de la fonction métrologie dans la fonction de production. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, ce paragraphe indique que la fonction métrologie n'a pas seulement de rôle de garantir l'aptitude à l'emploi des équipements de mesure pendant toutes les phases du cycle de vie. Donc ça, on y reviendra. Toutes les phases du cycle de vie, hein, choix, réception, raccordement, surveillance, maintenance et réforme des équipements. Donc là, la fonction métrologie va devoir suivre le moyen de mesure tout au long de sa vie. Cette fonction métrologie, elle doit aussi s'investir dans la stratégie de l'entreprise en maîtrisant au moindre coût les différents facteurs de risque qui peuvent générer des résultats de mesure incorrects et donc affecter la qualité de la production. La métrologie, la plupart du temps, dans beaucoup de sociétés, ça se résume à j'envoie des instruments à étalonner, je réceptionne des documents d'étalonnage. Soit c'est des étalonnages purs et durs et il faut pouvoir éventuellement comparer les résultats à des limites fixées en interne pour prendre une décision, soit ce sont des étalonnages de vérification. On a beaucoup de normes qui proposent en fait des étalonnages de vérification. La norme, par exemple, sur les pieds à coulisses indique des limites sur certaines caractéristiques métrologiques. Et donc, lorsque vous envoyez un instrument, un pied à coulisses, éventuellement à étalonner, on vous rend un résultat plutôt d'étalonnage vérification sur lequel vous allez avoir une déclaration de conformité. Donc, généralement, la fonction métrologie, la plupart du temps, la vision en tout cas qu'on en a de son investissement, c'est d'envoyer les moyens de mesure à l'extérieur, en étalonnage ou étalonnage vérification, de récupérer le résultat. Si jamais c'est conforme, on le met dans le dossier et après, il n'y a plus grand-chose. Alors, on voit à travers ça, et à travers 2012, et à travers ce paragraphe-là, que l'objectif de la fonction métrologie, c'est quand même très différent de ça. Ce n'est pas uniquement envoyer des moyens de mesure en étalonnage et vérification, compléter la fiche de vie de l'instrument et c'est tout. D'accord? On doit, dans la fonction métrologie, assurer la fiabilité des résultats de mesure. Donc, l'objectif en fait de la fonction métrologie, c'est de concourir à la satisfaction des clients. Donc, à travers Optimu et les différents modules de disponibles, vous avez des outils déjà qui vous permettent de réaliser un certain nombre de ces objectifs pour la fonction métrologie. Donc, le paragraphe qu'on vient de voir, lui, en gros, hein, il permet à minima de se poser ces trois questions-là, on pourrait s'en poser d'autres quand on a vu ce qui est indiqué dedans et ce qui est indiqué dans l'ISO 2012. Donc, le premier, c'est comment analyser et exploiter les données issues de l'historique des instruments de mesure afin de maîtriser les impacts pour l'entreprise. Alors, je vais l'orienter un petit peu différemment. C'est, je viens de vous dire, on va envoyer des moyens de mesure à l'extérieur pour étalonnage. Notamment, je reçois les résultats d'étalonnage. Je vais rentrer des interventions dans Optimu. Comment être rapidement, par exemple, averti que sur un résultat, eh bien, j'ai quelque chose qui est un petit peu pas aberrant, mais qui déclenche un signal d'alarme pour me dire, tiens,
va voir plus dans le détail cet instrument. Intéresse-toi à l'incertitude, au poids de cet instrument dans l'incertitude de mesure, pour voir s'il n'y aurait pas un problème et s'il n'aurait pas impacté significativement cette incertitude de mesure. Et ensuite, ben, compare cette incertitude de mesure à des limites fixées pour le processus de mesure. Je vous rappelle, quand on prend une décision pour un processus de mesure quelconque, on va avoir une incertitude de mesure et il va falloir tenir compte de cette incertitude de mesure dans la prise de décision. J'ai parlé à travers d'autres webinaires, notamment celui qui traite de l'ISO 98-4. Donc, je vous invite à les regarder de nouveau. Deuxième question qui peut être posée par ce paragraphe de la LDI 07007, c'est comment passer d'une méthodologie qui subit les non-conformités à une méthodologie qui anticipe les non-conformités. En gros, bah, oui, j'envoie des instruments à étalonner ou je les étalonne moi-même en interne régulièrement. Je vous ai dit, hein, c'est ce qu'on associe à la fonction métrologie, étalonnage, vérification. Généralement, on ne sort pas de ça. L'ISO 10012, tout comme les autres normes, hein, que ce soit l'IATF pour le secteur automobile, indique bien qu'on doit, et même la 9001, que l'on doit s'assurer que le moyen de mesure est apte à l'emploi au moment où on va l'utiliser. C'est-à-dire que la qualité en fait des indications qu'il va fournir est conforme aux attentes que l'on a dessus. Donc, si on a déjà parlé plusieurs fois, si on attend 12 mois, 6 mois, 18 mois, comme on veut, entre deux étalonnages pour aller s'assurer si le moyen de mesure délivre toujours la qualité nécessaire, franchement, voilà, on a du courage et ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir à gérer des non-conformités. Or, ce qu'on veut, c'est anticiper éventuellement ces non-conformités. Donc, on verra notamment comment on peut faire à travers la méthode de la dérive, sur tout ce qui va être tampon, balise, ce qu'on appelle les calibres. Et on parlera aussi des surveillances. Autre point important qui ressort un petit peu quand même de ce paragraphe-là, c'est l'implication de la métrologie au sein en fait de l'entreprise. C'est pas juste la métrologie toute seule dans son coin. Dans la LDI 07007 de mémoire, il y a un paragraphe qui traite et qui dit les métrologues dans leur laboratoire climatisé, quelque chose comme ça. C'est un petit peu l'idée que certains s'en font encore. Hein. La métrologie, ils sont peinards, ils sont dans un coin, dans un local climatisé, ils ne sont pas à la prod et ils n'ont pas tous les problèmes qu'on peut rencontrer à la prod, etc. L'objectif de la métrologie, c'est d'être active dans la prise de décision. Alors, on va l'avoir de plus en plus maintenant avec notamment les entreprises 4.0, c'est cette activité, c'est plutôt une interactivité donc entre services, la métrologie qui doit fournir des informations, par exemple, à la maintenance, ou la maintenance qui doit fournir des informations à la métrologie. La maintenance intervient sur un appareil, elle va changer un capteur. Cette information-là, il faut la renvoyer vers la métrologie pour que la métrologie puisse faire une vérification, par exemple métrologique, sur ce capteur. On peut avoir aussi d'autres informations qui vont être importantes. Aujourd'hui, j'ai un moyen de mesure. On m'a demandé de faire, par exemple, une surveillance. La surveillance me dit, attention, il y a un problème avec ce moyen de mesure-là. Je vais renvoyer l'information vers, par exemple, un ERP pour essayer de faire le lien entre tous les produits qui ont été analysés grâce à ce moyen de mesure, donc tous ces produits qui sont sortis depuis un certain temps avec l'emploi de ce moyen de mesure, pour m'interroger sur le fait de est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème, effectivement, sur ma production lié au fait que mon moyen de mesure, ben, il n'a pas la qualité de mesure requise. Donc, on verra comment échanger des données en gros entre Optimu et d'autres logiciels dans un écosystème qui est de plus en plus courant dans les usines de type 4.0. D'accord? Dans l'entreprise 4.0, l'idée c'est que chaque
logiciel peut avoir une fonction propre, mais on va répercuter les informations de l'un vers l'autre. Et pour faire cette répercussion, on n'a évidemment pas envie de ressaisir. D'abord parce que la saisie, ça va être générateur d'erreurs. Et puis, ça mange du temps à pas grand-chose. Si c'est juste pour indiquer dans trois logiciels différents que suite à étalonnage vérification réalisé en interne, par exemple avec Optimu, le moyen de mesure est non conforme, c'est un peu perdre du temps pour rien, alors qu'on peut transmettre en automatique cette information qui va être récupérée par les autres logiciels. Alors, premièrement, on va commencer par comment labelliser et exploiter les données métrologiques. Là, je vais vous présenter un exemple qui va être sur l'analyse des résultats d'étalonnage qui sont réalisés en externe. Je demande en externe un étalonnage, d'accord? Donc l'étalonnage, c'est la comparaison de mon moyen de mesure à des valeurs étalons, et on me fournit un résultat d'étalonnage avec des incertitudes associées. Ce résultat, je vais l'employer en interne pour le comparer à des limites qui vont me permettre de statuer quant à l'employabilité ou non de mon moyen de mesure. Donc, je ne parle pas ici du suivi au cours du temps des résultats d'étalonnage qui me permettrait éventuellement d'identifier une dérive d'un instrument mesureur. Cette dérive des instruments mesureurs, elle a été traitée une présentation qui a été faite par Jean-Michel Pou et que vous pouvez retrouver sur le slideshare ici présent. Donc, c'est pas ça du tout. Là, effectivement, j'ai un résultat d'étalonnage qui vient de l'extérieur et sur la base de ce résultat d'étalonnage, je vais le comparer à des limites définies en interne, en gros des EMT, et je veux que ça déclenche des alertes, par exemple, que j'aille voir plus en profondeur les résultats des instruments sur lesquels j'ai des alertes. D'accord? Quand vous faites étalonner en externe une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de moyens de mesure de façon régulière, si jamais c'est 40 par semaine, ça peut arriver dans certaines entreprises, vous n'allez pas analyser les 40 résultats. Vous voulez une aide à justement cette analyse. Alors, l'aide à l'analyse, effectivement, peut être fournie par Optimu. Alors, donc, vous devez voir ici, justement, donc, mon tableau de bord sur Optimu. J'ai différents indicateurs avec l'état d'utilisation des instruments derrière. J'ai des instruments donc, qui sont en cours d'étalonnage et vérification. Donc, j'ai envoyé ces instruments via le bon de livraison GMM ici. Donc, dans ce bon de livraison, trois instruments, trois thermocouples qui ont été envoyés à l'extérieur. L'intérêt d'utiliser un bon de livraison, c'est tout d'abord de pouvoir remonter en automatique des informations qui vont venir de chacun des instruments, notamment les demandes spécifiques que vous avez par rapport à des étalonnages à réaliser. Quels sont les points d'étalonnage que vous demandez? Voilà. C'est vous les demandeurs, donc à vous de spécifier quels sont les points d'étalonnage qui sont les plus importants pour vous. Donc là, j'ai un certain nombre de points d'étalonnage. J'ai envoyé ces instruments à l'extérieur en étalonnage et le laboratoire va pouvoir me renvoyer des résultats. Ces résultats, il est possible de les intégrer donc dans Optimu en utilisant l'import de données. Évidemment, il faut cliquer au bon endroit. Ce qui n'a pas été mon cas, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'audit trail. Donc, on va importer les données que le laboratoire m'a renvoyées, d'accord? Donc, je suis sur mon bureau, c'est mes thermocouples, voilà. Je vais avoir les résultats de mes différents thermocouples qui vont être intégrés en automatique dans Optimu, d'accord? Suite à cette intégration, ou qui peut se faire en automatique via des tâches planifiées qu'on reverra tout à l'heure, eh bien, je vais avoir, par exemple, des indicateurs comme celui-ci, suivi global de l'évolution des résultats, qui vont me permettre d'avoir des alertes. Alors, je vais le passer un grand, parce que ce qui est comme moi de ne pas le voir beaucoup. Donc, cet indicateur, alors j'avais trois thermocouples, le THC01, THC02, THC03.
Je vois que sur le 01 et le 02, j'ai ici, dans cet indicateur, une alerte et un non-conformant. Alors, on va s'intéresser au premier, le thermocouple, THC 001, et à l'intervention associée. Alors, j'ai fait un étalonnage et vérification, là, ici. J'ai mon envoi, j'ai mon retour. Hein, donc là, je peux avoir aussi des petits indicateurs qualité. N'oublions pas que dans une entreprise, on doit s'intéresser aussi à certains indicateurs qualité, notamment les temps de réponse de nos prestataires externes. Donc, dans cet étalonnage, j'ai un résultat d'étalonnage. Ce résultat d'étalonnage, c'est une erreur d'indication. Donc, c'est la plus grande erreur d'indication vue pendant l'étalonnage, tout point confondu. D'accord? J'aurai un document ici, j'ai pas mis de document là, c'est pas ce qui nous intéresse. Et j'ai mon incertitude. Sur la base, en fait, de ces résultats-là, moi, je veux comparer l'information que j'ai ici à des limites que j'ai établies. Alors, sur mon tableau de bord, donc sur le THC 01, je vais retrouver mon résultat, ma limite inférieure, ma limite supérieure. Et ici, j'ai déterminé que j'avais deux limites à partir de laquelle je veux déclencher une alerte. C'est-à-dire que lorsque le résultat est compris entre les 70% de l'EMT et les 100% de l'EMT, eh bien, je veux que l'instrument passe en alerte. D'accord? Ça doit me permettre d'aller voir plus en détail éventuellement le document d'étalonnage et d'autres informations associées à l'instrument, notamment l'information liée au calcul d'incertitude qu'on va voir après. Donc sur celui-ci, ben là, j'ai une alerte. Sur le second, il m'a dit là non conforme. Alors pourquoi? En plus d'avoir l'alerte quand le résultat est entre 70 et 100% de la limite des EMT, eh bien, ça me dit que c'est non conforme quand mon résultat associé à mon incertitude dépasse la limite. D'accord? J'ai un résultat à 0,9, j'ai une incertitude de 0,2, ça dépasse forcément la limite de 1, la somme des deux. D'accord? La valeur absolue. Donc, là, ici, pareil, bah, sur celui-ci, je vais devoir statuer. Donc, ces deux instruments-là, je vais devoir prendre une décision quant à leur utilisation ou non. Alors, moi, j'ai décidé en interne que dès que j'avais un résultat qui, associé à son incertitude, dépassait la limite, eh bien, l'instrument était déclaré non conforme. Et donc, à partir de là, il fallait aller le réformer. D'accord? Donc, moi ici, à chaque fois que j'ai un étalonnage, suite à étalonnage, je fais une vérification de l'étalonnage externe. Donc, je vais aller faire déclarer une vérification de mon étalonnage externe tout de suite. J'ai un intervenant qui est un champ obligatoire. Le voilà. Donc, vérification étalonnage externe. Là, c'est du non conforme. OK. Et là, ici, donc, suite à cette intervention, je dis qu'il est non conforme, je vais pouvoir aller faire une mise en revue. Hop, mon instrument est réformé. Ces informations-là peuvent être remontées en automatique vers un ERP, vers un logiciel de gestion des non-conformités pour derrière entraîner tout le suivi qui va aller avec, c'est-à-dire que soit il y a une mesure potentiellement, il a été utilisé pour faire un certain nombre de mesures sur mes productions, et potentiellement ça a pu avoir un impact sur la qualité de mes mesures. Donc déjà j'ai un instrument qui est réformé ici. Alors maintenant, donc j'avais deux autres instruments, le THC 01 donc qui est en alerte et le THC 03 sur lequel j'ai rien constaté de particulier, d'accord. L'étalonnage vérification, en tout cas ici, avec son résultat, il était dans les limites, loin des 70%, tout allait bien, d'accord. Donc, celui-ci, hein, je ferai évidemment mon étape de vérification et je dirai vérification éventuellement interne conforme. Alors, j'ai mes trois résultats, je vais pouvoir aussi utiliser ces résultats
notamment pour aller faire de l'analyse d'impact de mon résultat sur mon incertitude de mesure. C'est-à-dire que mes capteurs de température, je sais qu'ils sont employés dans différents processus de mesure et ils ont forcément un poids dans le calcul de l'incertitude de mesure. Alors, je ne reviens pas sur la méthodologie du calcul d'incertitude de mesure. On en a déjà parlé. Si vous êtes intéressé, on a de très bonnes formations sur le sujet aussi. Globalement, les 5M, dans les 5M, j'ai un M qui va concerner l'instrument. Donc, dans le M instrument, j'ai vraiment des composantes spécifiques liées à mon instrument. Par exemple, l'erreur d'hystérésie de mon instrument est une composante qui est spécifique à mon instrument, qui va être prise en compte dans mon calcul d'incertitude quand je vais faire ma somme de variance. En faisant le rapport entre la variance liée à mon hystérésis, que je vais considérer comme étant la seule liée à mon instrument, et la somme des variances globales, eh bien, j'ai le poids de mon instrument dans mon incertitude de mesure. D'accord? Donc ça, on va pouvoir le voir à travers le module incertitude. Donc, suite à mes résultats, je vais pouvoir utiliser le module incertitude. Donc, dans le module incertitude, j'ai un certain nombre de modèles. J'ai notamment ici un modèle pour l'utilisation de l'intermocouple sur la surveillance d'un autoclave. J'ai différents paramètres. J'ai indiqué notamment que sur mes moyens de mesure, je calculais, suite à mon calcul d'incertitude, un intervalle de tolérance minimum vérifiable. Alors, pourquoi? Parce que ici, dans le processus de mesure, j'ai mis une limite à mon intervalle de tolérance vérifiable. D'accord? Ça, c'est associé en fait à mon processus de mesure ici. D'accord? Ça, c'est un calcul sur l'intervention précédente. Donc, sur l'intervention précédente, l'IT mini vérifiable était de 3,36, c'est-à-dire qu'il était inférieur aux 4, la limite fixée ici derrière. Donc, dans mon modèle de calcul, j'ai mes différentes composantes et je vais considérer des composantes qui vont être des composantes propres à l'instrument, notamment ici l'erreur max d'indication du capteur. Celle-ci, elle est spécifiquement liée à l'instrument. Mes autres composantes, c'est des composantes qui interviennent dans mon calcul d'incertitude, mais qui ne sont pas spécifiques, par exemple, à mon capteur. L'homogénéité et la stabilité de mon autoclave dans lequel je fais la mesure de température, eh bien, ne dépendent absolument pas de mon capteur de température. D'accord? Donc, ces deux composantes-là ne sont pas spécifiques à l'instrument, mais elles interviennent dans l'incertitude de la mesure dans cette enceinte. Donc, j'ai mon modèle de calcul, j'ai mes résultats, eh bien, je vais pouvoir aller faire un calcul d'incertitude suite à la réception de ces résultats. J'ai reçu donc trois thermocouples. Il y en a un qui est réformé. Je vais faire une création massive de calcul d'incertitude sur mes thermocouples qui restent. Je vais faire ma sélection de thermocouples. Donc là, le 1, le 3, le 2, je l'ai réformé. Et je vais lancer mon calcul. J'ai maintenant donc les incertitudes qui ont été calculées sur le THC03 et sur le THC01. Alors, vous ne l'avez pas forcément vu, il y a une petite barre qui est apparue ici pour me dire que ça avait mis à jour derrière les informations sur les instruments. Lorsque je vais aller sur mon instrument, donc là, je suis sur le THC03 dans mon processus de mesure, je vois que bah, là, mon IT mini vérifiable calculé maintenant est de 5,6. Donc, il dépasse la limite qui a été fixée ici. Donc là aussi, on peut avoir des indicateurs qui vont nous permettre, suite à calcul d'incertitude, de comparer un IT mini vérifiable qui aura été calculé pendant le calcul d'incertitude à une limite pour me dire ben, oui, je peux utiliser le capteur ou non, je ne peux pas utiliser le capteur. D'accord? Donc en fait, le capteur, d'un point de vue métrologique, il est conforme, tout va bien, sauf que son poids dans l'incertitude est plus important que ce qu'il n'était précédemment. D'accord? Donc, si je regarde ici, donc, le THC03, ça c'est le calcul précédent. Dans le détail de mon calcul, en regardant les composantes, j'avais donc, forcément, ce n'est pas le bon, ça c'est celui d'aujourd'hui, le précédent, le voici. J'avais donc mon erreur max d'indication de mon capteur, hein,
qui pesait pour 7% dans l'incertitude du processus de mesure. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, globalement, hein, l'essentiel de mon incertitude était lié à mon enceinte. Voilà. Là, ici, le poids de mon instrument a augmenté. Le poids de mon instrument dans l'incertitude globale a augmenté. Okay. Vous voyez qu'il est passé à 70% quasiment. Ça signifie quoi? Ça signifie que, de toute façon, mon incertitude globale aussi a été impactée. D'accord? Donc, dans ma prise de décision, eh bien, ça va avoir un impact non négligeable. D'accord? Donc, là, ici, l'intérêt, c'est effectivement d'être averti lorsque j'ai un instrument dont le poids impacte significativement l'incertitude de mon processus de mesure. D'accord? Ça veut dire que mes décisions vont, elles, aussi être impactées. Hein, quand je vais prendre une décision, je vous en ai déjà parlé, j'ai des limites associées à mon processus, je vais avoir un résultat, et ce résultat, bah, effectivement, il va être associé à une incertitude de mesure. Cette incertitude de mesure peut mener à des valeurs qui vont se trouver en dehors des limites. D'accord? Donc moi, je vais avoir cette information-là que mon incertitude, eh bien, avant, elle était toute petite au regard d'un certain intervalle de tolérance, et tout d'un coup, parfait, elle grossit, donc elle va avoir un impact sur ma prise de décision. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois une aide à la décision. Donc, par exemple, le poids d'un comparateur qui, tout d'un coup, bah, devient significatif, même si le comparateur est conforme. D'accord? Ça pourrait arriver. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais être averti. Donc, ça se fait à travers ce module incertitude et encore une fois, en utilisant éventuellement des indicateurs que je pourrais retrouver sur mon tableau de bord. D'accord? Donc là, bah, effectivement, que ce soit sur le THC03 et alors, sur le THC01, pareil, excusez-moi, sur le THC01, on va avoir. Sur le THC01, on va avoir donc 3367 précédemment et le nouveau calcul, il est ici, il est de 8. Donc là, 8 pour une limite fixée à 4, ben là encore, je vais devoir prendre une décision probablement de dire ben, dans ces processus de mesure-là, je ne peux pas utiliser en l'état ces deux capteurs. Donc, conclusion ici. Conclusion finale, paf, je vais aller réformer mes deux capteurs. Voilà, donc voilà ce qu'on peut déjà faire lorsque l'on fait étalonner à l'extérieur des moyens de mesure et qu'on veut exploiter en interne les résultats de ces étalonnages-là et pouvoir prendre des décisions au regard de limites qu'on aurait fixées. D'accord? Le thermocouple, c'est un bon exemple hein, parce que on n'a pas vraiment de limites spécifique suite à étalonnage, chaque entreprise va avoir fixé des limites pour l'employabilité de ces thermocouples. Voilà, donc là c'était comment analyser et exploiter les données métrologiques. Parmi les autres questions qu'on pouvait se poser suite à à la lecture du paragraphe 4.2 de la LDI 07007, il y avait notamment comment anticiper une non-conformité. Donc là, je vais vous représenter des modules qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder. Le module donc étude de la dérive. Alors lui, son objectif, hein, ça va être de modéliser la dérive d'instruments de type calibre et d'anticiper la date à laquelle ces calibres vont arriver à leur limite. Donc ça, c'est dans le module optimisation qu'on va retrouver ce facteur-là. On va aller le voir de suite. Et on reparlera aussi des comparaisons inter-instruments qui, là, répondent bien à une demande en fait des différentes normes qu'on peut avoir. C'est de s'assurer à tout moment, par exemple, que le moyen de mesure a toujours les mêmes performances métrologiques.
qui sont comparables à celles que l'on attend. Donc là, je vais revenir dans l'étude des comparaisons d'instruments et ce qu'on peut voir dans ces comparaisons, comment détecter les comportements anormaux sur des instruments qui sont normalement des instruments interchangeables. Alors, nous voilà de retour donc dans Optimu. Première chose dont nous allons parler, l'optimisation et l'étude de la dérive. Donc, dans l'étude de la dérive, là ici, j'ai une étude qui a déjà été réalisée. Je ne rentre pas dans le détail, hein, globalement, la méthode sur chaque calibre qu'on va étudier, on va avoir une usure qui peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Un tampon va s'user en diminuant, une bague va s'user en augmentant. Et on va calculer un facteur d'usure moyen sur un ensemble de moyens de mesure représentatifs d'un secteur ou représentatif de l'entreprise. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce facteur d'usure calculé statistiquement pour aller calculer la prochaine date d'intervention sur chacun des moyens de mesure. Donc, l'objectif, en fait, c'est à chaque fois qu'on va avoir un résultat d'étalonnage, d'aller regarder par rapport à ce résultat d'étalonnage, quelle est la distance entre ma valeur et la limite, alors qui peut être en bas ou en haut, hein, puisque c'est selon le sens d'usure, et grâce à ça, recalculer la périodicité. Et là, prendre une décision, par exemple, de dire, bon ben voilà, là, il me reste 5 mois pour utiliser tel moyen de mesure. D'accord? Donc là, j'ai calculé mon facteur d'usure, je ne rentre pas dans le détail encore une fois du calcul, et je vais cliquer sur mettre à jour les périodicités, et ici, ben, je vois mes calculs de nouvelles périodicités. D'abord, ben, Optimum dit qu'il y en a certains, ce ne sera pas possible, et de toute façon, ce n'est pas prévu, puisque ce sont les instruments qui ont été réformés. Optimu me prévient aussi, regardez, lorsque j'ai une périodicité faible. Donc ça, c'est un paramétrage qu'on fait dans le calcul. Moi, j'ai demandé d'être averti dès que ma périodicité était à 3 mois. Donc, sur tous ces instruments dont la périodicité est à 3 mois, je vais devoir prendre une décision. Est-ce que je continue à les utiliser, auquel cas, effectivement, j'ai un risque que à la prochaine fois où je vais aller les voir, eh bien, ils soient non conformes. Alors, je peux quand même me dire, ouais, bah, là, de toute façon, j'ai une production en cours, on va encore s'en servir pendant un mois, bon, je tente le coup. Alors, oui, je tente le coup, je me dis, bah non, ouais, effectivement, je vais avoir une production, mais là, c'était une grosse commande, je vais avoir beaucoup de pièces à vérifier avec, et malgré tout, bah, peut-être que dans un mois, il va être à la limite. Donc, je ne prends pas le risque, je le réforme, et je vais prendre un autre moyen de mesure identique, mais qui va être tout neuf, d'accord? Donc, qui, lui, aurait une périodicité beaucoup plus importante, d'accord? Okay, donc c'était un 12H7 hein, comme celui-ci, bon, je prends celui-là qui a une périodicité de 15 mois. Donc là ici effectivement, ça me permet avec cette méthode d'anticiper le moment où un calibre devrait atteindre la limite. D'accord? Alors c'est une méthode qui est qu'on utilise beaucoup avec différents clients, qui est robuste et qui a montré ses performances en tout cas pour anticiper les non-conformités sur les moyens de mesure de type calibre. Donc ça, c'est la première approche. Alors ça, c'est intéressant. Simplement, ça ne fonctionne que sur les moyens de mesure qui dérivent réellement physiquement. Donc là, ce que je vous ai dit, essentiellement des calibres. Pour les moyens de mesure qui ne vont pas dériver physiquement, alors comment je vais pouvoir faire pour éventuellement eh bien, anticiper la survenue d'un problème dessus. Donc, je vous resitue hein, ce que j'ai déjà dit. Je fais des étalonnages tous les X mois et entre ces différents étalonnages, il peut se passer des choses. Donc, il peut se passer quoi? Eh bien, il peut se passer que le moyen de mesure se mette à dériver et que je ne vois pas éventuellement cette dérive. Donc, comment on peut éventuellement, je vais dire bon, dériver, je ne devrais pas dire dériver puisque
Là, on n'est pas sur la dérive au sens de évolution monotone d'une caractéristique comme sur un tampon. On est plutôt sur un événement, on va dire, ponctuel qui fait que mon moyen de mesure, ses performances métrologiques étaient très bonnes. Il avait par exemple une très bonne répétabilité, qui est un paramètre qui est important. Et pour X raisons, tout d'un coup, paf, sa répétabilité n'est plus bonne. Il a pris un coup, il était au bord de la table, il est tombé, on l'a récupéré, on a appuyé sur le bouton, il s'est allumé, il indiquait zéro. Très bien, c'est qu'il fonctionne. C'est qu'il fonctionne, sauf qu'il est tombé, et que comme il est tombé, ben, potentiellement, ça a impacté ses performances métrologiques. Donc, si j'attends le prochain étalonnage pour détecter ça, je risque d'avoir quelques petits problèmes. Notamment, justement, si c'est la répétabilité qui est impactée. Donc, comment identifier ça? Alors, il y a plusieurs choses. Hein. On peut, donc, dans le module surveillance, on pourrait par exemple faire une carte de contrôle. Moi, je vais vous parler des comparaisons inter-instruments. Donc, les comparaisons inter-instruments, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, moi, là, ici, j'ai une comparaison inter-instruments, donc sur différents moyens de mesure qui sont des balances. D'accord? Donc, je retrouve ici une alerte comparaison inter-instruments sur mes 9 balances. En fait, sur mes 9 balances, hein, j'ai mis à l'initial donc une périodicité de comparaison inter-instruments. Mais la toute première intervention que j'ai réalisée, c'est un étalonnage vérification qui se comporte comme une comparaison inter-instruments. En gros, première étape, je fais une étalonnage vérification, j'assure la traçabilité aux étalons nationaux. Je fais ma vérification suite à cet étalonnage avec des valeurs donc, qui sont traçables aux étalons nationaux et internationaux. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui est carré au démarrage. Et après, eh bien après, j'ai juste vérifié que les performances métrologiques ne vont pas évoluer au cours du temps. Alors, comment je fais cette vérification? Ben, je la fais en comparant des balances qui vont avoir théoriquement les mêmes performances métrologiques. C'est-à-dire que ce sont des moyens de mesure qui sont normalement interchangeable dans mon entreprise. Donc, si là je m'intéresse à des balances, elles vont avoir à peu près la même plage d'opération, elles vont avoir la même résolution. Donc, je peux utiliser l'une pour l'autre et inversement. L'idée, c'est de se dire que si jamais je passe sur chacun des instruments la même masse plusieurs fois, eh bien, je devrais voir d'un point de vue statistique la même répétabilité sur chacune des balances. Si j'observe une répétabilité entre guillemets aberrante statistiquement sur l'une des balances, eh bien, ça traduira qu'il y a un problème potentiel métrologique. Et là, je pourrais déclencher l'opération d'étalonnage vérification, qui est une opération un tout petit peu plus longue. Là, en gros, hein, je prends une masse, je la passe 5 fois sur chacune des balances, c'est relativement simple. L'étalonnage vérification, ça va requérir un petit peu plus de rigueur dans l'exécution. L'avantage de la comparaison inter-instruments aussi, c'est qu'elle a lieu dans les conditions d'utilisation du moyen de mesure. Okay? Donc là, effectivement, mes balances, elles sont dans mon entreprise et je viens et j'ai l'impact éventuellement de l'environnement, etc., dans ce que je vais caractériser. Donc, je peux voir des choses. Je pourrais éventuellement ne pas voir, alors sur les balances, on ne va pas les déplacer, mais sur certains moyens de mesure, si jamais je les amène à la métrologie. Donc, je vais faire mes différentes pesées et lancer un calcul et avoir des résultats. Donc, ces résultats, ils me permettent par exemple de voir que j'ai ici, donc sur la balance 4, des résultats qui, en termes de dispersion, dépassent des limites qui ont été calculées statistiquement. D'accord? On va retrouver, alors si vous vous intéressez à comment se calculent ces incertitudes, ces limites, pardon, vous pouvez aller voir du côté de la FDX 07041 qui traite donc des comparaisons inter-instruments. Vous avez aussi les calculs qui sont présentés dans la série de normes ISO 5725, et notamment dans l'ISO 5725-2, donc qui traite de la justesse et de la fidélité des méthodes d'essai, de mesure et d'essai. Donc là, en gros, bah, j'ai des limites qui ont été calculées, et lorsque mes résultats sur une balance pour différentes masses ont dépassé, par exemple, la limite,
je considérais que sur cet instrument, il y a potentiellement un problème. Donc, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir aller dire, les balances sont non conformes. Alors, sur la balance 5, il y avait un résultat qui était douteux, hein. J'ai eu une valeur qui a dépassé la limite sur la masse à 50 grammes, mais sur les autres, je n'ai pas retrouvé de problème et ça n'a pas dépassé les deux limites, hein, limite à 95%, limite à 99%, juste celle à 95%. Voilà, j'aurais pu tout simplement dire, bon, bah, je refais une série de mesures pour valider la première série qui avait été faite. Là, je garde à l'esprit qu'il y avait peut-être un douteux. Je pourrais mettre dans le commentaire ici, attention, douteux lors de cette étude. Mon étude étant réalisée, je vais pouvoir donc terminer ma comparaison inter-instrument, ce qui va créer une intervention sur les différents moyens de mesure. Et sur les instruments sur lesquels je n'ai pas eu de problème, bah, ma comparaison inter-instrument est bonne. Sur ceux sur lesquels j'avais un souci, j'ai une attente de décision. D'accord. Suite à ça, je vais pouvoir faire un étalonnage de vérification complet. Donc là, bah, je vais faire un nouvel étalonnage, par exemple, dans Optimus, si j'utilise le module étalonnage, et je vais dérouler complètement mon étalonnage de vérification pour aller confirmer ou infirmer ce que j'ai vu ici. Voilà. Donc ça me permet d'être en fait dans des conditions qui vont être vraiment proches de la production, de comparer des moyens de mesure qui sont normalement interchangeables, donc de comparer les performances métrologiques de moyens de mesure interchangeables. D'accord? L'idée, c'est que si effectivement ils sont interchangeables, ils ont tous les mêmes performances métrologiques d'un point de vue statistique. Si jamais j'en vois un qui sort du lot, donc là, comme la balle 04, je dois m'interroger dessus. Donc ça, c'était l'anticipation de problèmes sur les moyens de mesure. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est effectivement, je passais, avant, j'étais sur des étalonnages avec une périodicité fixée. Là, je vais avoir des étalonnages qui vont être déclenchés, donc, suite à orientation, grâce à mes surveillances, vers un problème métrologique potentiel. D'accord? Donc, ce que je vais faire à travers ça, c'est essayer d'anticiper effectivement une non-conformité qui pourrait arriver. D'accord? Donc, suite à l'étalonnage de vérification, hein, la balance peut tout à fait se révéler être, métrologiquement parlant, conforme. D'accord? Là, elle a eu un comportement qui m'a paru anormal et je viens de temps en temps faire ces comparaisons inter-instruments pour pouvoir, eh bien, apporter la preuve que j'ai un suivi des moyens de mesure réguliers qui n'implique pas, comme vous l'avez vu ici, d'avoir des étalonnages vérification réguliers. Donc, on a vu quelques indicateurs qui me permettent de déclencher ou de m'accompagner dans ma prise de décision suite à des étalonnages ou des étalonnages de vérification. Là, on regardait comment anticiper les non-conformités. On va donc maintenant s'intéresser à la liaison entre Optimu et d'autres logiciels. Alors, logiciels de maintenance type BDGMAO, des logiciels du type ERP. Comme je vous disais, en fait, les informations que l'on va avoir saisies ici dans Optimu, déjà, ben, je peux les remonter vers des logiciels tiers. Donc là, dès que je vais avoir réalisé l'étalonnage vérification qui va suivre cette comparaison inter-instruments, en automatique, Optimu pourrait renvoyer l'info de l'étalonnage vérification. S'il est conforme, rien de particulier. Si cet étalonnage vérification est non conforme, attention, potentiellement, il s'est passé quelque chose depuis la dernière comparaison inter-instruments. Celle-ci, elle n'avait rien détecté de particulier, d'accord? Donc là, ici, ce n'est pas depuis le dernier étalonnage vérification, depuis la dernière comparaison inter-instruments. Okay? Donc, je peux envoyer ces informations-là. Je vais pouvoir aussi réceptionner des informations venant, par exemple, de la maintenance. Alors, c'est une problématique qu'on a, enfin une problématique. Problématique, pas une problématique, hein, mais les organisations souvent font que vous avez la maintenance
qui s'occupe de la maintenance des équipements, comme son nom l'indique, et vous avez la métrologie qui intervient, elle, pour faire tout ce qui va être étalonnage, vérification sur les moyens de mesure. Dans une entreprise, en général, effectivement, chacun a ses tâches à faire à gauche, à droite. On ne se voit pas forcément tous les jours, on ne voit pas forcément tous les jours ses différents collègues. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'ai un logiciel pour la GMAO, ok, d'accord, je fais une intervention dedans. Suite à l'intervention, je voudrais bien que les personnes qui s'occupent de la métrologie soient averties, d'accord? Donc, on va pouvoir transmettre des informations entre la GMAO et Optimu, puis entre Optimu et un ERP, éventuellement derrière, pour remonter à gauche, à droite, les informations nécessaires. Donc là, ici, j'ai des tâches planifiées. Alors, notamment, l'import d'ordres de travail dans Optimu, ce sont des interventions, des ordres de travail qui viennent d'un logiciel tiers. Alors, j'ai une partie, moi, conversion, parce qu'ils arrivent, dans mon exemple ici, ils arrivaient au format XML. Moi, je ne m'intéressais qu'à l'import des données dans Optimu. Donc, ça, cette tâche planifiée, elle va s'exécuter de façon récurrente. Par exemple, ça peut être sur un minuteur, hein, elle peut s'exécuter toutes les minutes. Voilà, de manière à mettre à jour les informations qui vont venir de la GMAO. Moi, je vais l'exécuter manuellement. D'accord? Donc, après exécution, dans mon tableau de bord, je vais avoir des informations qui sont indiquées ici. Donc là, ici, ce sont les informations non planifiées qui viennent de l'ERP, l'ERP GMAO. Là, c'est une ERP, mais j'aurais dû mettre GMAO. Il y a eu une intervention qui a été faite. Et suite à cette intervention, moi, je dois faire un étalonnage vérification. D'accord? Ça a été créé donc aujourd'hui. Date de prévue, on espère que je le commence aujourd'hui. Date de fin prévue, on me dit ce serait bien que ce soit fini avant le 13 juin. Et on envisage au moins que ce soit réalisé, si possible, demain. D'accord? Forcément, ces informations-là, elles doivent me permettre en fait d'aller faire du tri dans ce qui va venir, par exemple, de la GMAO. La GMAO, dans certains cas, va envoyer des infos sur des moyens de mesure qui sont des moyens de mesure sur lesquels j'ai vraiment besoin d'avoir une métrologie immédiate. Là, ici, c'est une chaîne de mesure de température. Imaginez qu'elle est sur une boucle et que sur la boucle, j'ai d'autres types de capteurs qui voient à peu près la même chose. Donc, c'est une intervention qui est pressée, on va dire, mais ce n'est pas une urgence vitale. D'accord? Sinon, on aurait dit faut se débrouiller pour tout le faire aujourd'hui. Donc ici, j'ai mon numéro d'ordre de travail qui est arrivé. Donc ça, en fait, je l'ai ici au niveau d'une réception dans lequel je retrouvais un étalonnage vérification à réaliser. D'accord? Sur ce moyen de mesure-là. Ici, le numéro que j'ai, c'est le numéro de mon ordre de travail. Donc, on me demande de réaliser un étalonnage vérification. Je vais aller dans le module étalonnage et je vais réaliser un étalonnage depuis une recherche qui se base sur toutes les réceptions qui ont été faites. Okay? Donc là, j'en ai qu'une seule. Mon étalonnage est lancé. Hop, je fais éditer les mesures. Je vais aller saisir donc dans mon étalonnage les différentes valeurs mesurées. Ah, j'ai des informations complémentaires ici, peu importe lesquelles. J'ai mes valeurs de référence, mes valeurs mesurées. On va faire simple. Tout va bien suite à étalonnage vérification derrière. Suite à la maintenance qui a été réalisée dessus, pardon. Donc sur cette chaîne de mesure de température avec afficheur et indicateur intégré, conformément à mon référentiel sur lequel j'ai des EMT 2.05, l'étalonnage vérification me dit ouais, tout va bien, pas de souci. Donc ici, je vais terminer mon étalonnage. Cet étalonnage donc va générer une intervention sur mon moyen de mesure. OK? Intervention ici. Alors, je pourrais ici avoir dans la liste des interventions aussi l'intervention de maintenance qui a été réalisée dans le logiciel de GMAO pardon, et qui a été remontée. Là, ici, moi, j'ai juste envoyé le fait qu'il fallait faire une intervention métrologique. Il ne semblait pas forcément nécessaire ici de récupérer de la GMAO les informations concernant le capteur. Quand on peut, en général, on récupère quand même cette information, comme ça, dans Optimu, grâce aux indicateurs, on va avoir toute la vie
du capteur considéré. Donc, si on veut faire de la méthode opérette, par exemple, prendre en compte le nombre de maintenances que l'on fait pendant l'année sur un moyen de mesure donné pour mettre une note dessus, bah, c'est bien si j'ai les infos ici qui sont au même endroit et que je peux les exploiter à travers les indicateurs. Donc, sur mon tableau de bord, ici, je fais ça, je vois que les interventions non planifiées au nom de l'ART, j'en ai plus. D'accord? Alors, j'ai ici des OT à envoyer vers Optimu. Alors, j'ai dû prendre un peu trop de temps et je pense que ma tâche planifiée s'est exécutée, malheureusement, malgré moi. Je suis désolé, je parle peut-être un peu trop. Donc, dans ma tâche planifiée, l'envoi des OT est fini et effectivement, je vois que j'ai envoyé quelque chose à l'extérieur. Donc, je vais avoir dans mes informations concernant mon connecteur. Alors, est-ce que je ne suis pas au bon endroit? Vous me renvoyez à nouveau. Donc, là, ici, les informations, généralement, on les envoie vers un SFTP. Là, ici, bah, j'ai mis un dossier SFTP en ayant mon. Pardon. En ayant ici un dossier que j'ai appelé SFTP, et on voit que j'ai renvoyé différentes informations. Là, ici, je vais retrouver. C'est un fichier XML. Là, hop. Pourquoi? Parce qu'on renvoie du XML. Je retrouve des infos. On a mis des codes derrière, tout simplement, parce qu'à l'autre bout, on attend des codes. Je vais avoir la date de début de l'intervention, la date de fin de l'intervention. D'accord? Donc, je l'ai fini aujourd'hui à 11h54 et 48 secondes. Ça va être remonté vers potentiellement donc, vers le RP, vers la GMAO, pour dire à la GMAO, c'est bon, l'OT qui a été envoyé, tu peux le clore. Et vers le RP, parce que le résultat qu'il y a ici, donc, qui correspond en fait à une codification pour un résultat conforme, eh bien, ça va me permettre de dire, c'est bon, la métrologie a été faite. Le moyen de mesure est conforme, paf, on peut redémarrer sur l'emploi de ce moyen de mesure dans la surveillance d'un processus de production de. Voilà. Donc, l'idée, pas me voir en double 15 fois, c'est pas moi qui vous intéresse essentiellement, c'est Optimu. Donc, l'idée, ici, effectivement, c'est à travers ces tâches planifiées de pouvoir échanger des données entre différentes briques logicielles au sein d'une entreprise, hein, stratégie usine 4.0, pour ne pas avoir donc de ressaisie source, forcément d'erreur. On avait déjà vu tout à l'heure que je pouvais importer des résultats d'intervention réalisés par les prestataires externes dans Optimu, justement pour ne pas ressaisir. Là encore, source d'erreur. Là, ici, on va échanger des informations donc entre la GMAO, le RP, Optimu, et ça va me permettre en fait de faire le suivi des moyens de mesure. Donc, par exemple, si jamais j'ai un moyen de mesure qui est utilisé donc dans mon ERP, je vais tracer toutes les utilisations de mon moyen de mesure sur mes différentes productions. Suite à intervention dans Optimu, je le déclare non conforme, je vais remonter l'information vers le RP et comme ça, je vais pouvoir avoir dans le RP le déclenchement éventuellement donc d'une non-conformité pour aller créer une non-conformité et je vais pouvoir aller récupérer tous les OF sur lesquels ce moyen de mesure a été utilisé. Si ce n'est pas disponible dans mon ERP, je vais pouvoir faire ce suivi via par exemple le module mouvement dans Optimu. Donc, j'ai dans le module mouvement, en gros, hein, on va tracer l'emploi des moyens de mesure sur des OF, par exemple, données. Et demain, sur un moyen de mesure qui va être non conforme, je vais pouvoir avoir l'historique de tous les OF sur lesquels ce moyen de mesure a été utilisé. Et donc, je vais pouvoir statuer ou au moins aller m'intéresser à toutes ces productions sur lesquelles il pourrait potentiellement y avoir eu un impact. D'accord? Et pour ça, bah, je pourrais utiliser, par exemple, le calcul d'incertitude qu'on a vu tout à l'heure, le poids de mon instrument, effectivement, mon instrument est non conforme, le poids de cet instrument dans l'incertitude de mesure est ridicule, mais bien mon incertitude de mesure n'a pas évolué, donc probablement que les décisions qui ont été prises n'ont pas été impactées par cette non conformité. Le poids de mon instrument a énormément augmenté, mon incertitude de mesure a énormément augmenté. Ma prise de décision avait forcément été impactée. Et donc, bah là, je vais devoir prendre d'autres types de décisions quant à la déclaration de conformité de mes productions.
Nous allons donc avoir fait le tour de ce que j'avais à vous raconter, pardon, par rapport hein, donc, à Optimu. Jérôme, prends ta main du coup, Voilà, Jadel, pas de très soucis. bien. Je te la rends, tu la reprends tout seul. Très bien. Je reprends, je reprends. Je viens Très bien. de J'ai coupé reprendre ma à l'instant. caméra. À bientôt à tous. Oui, bon, simplement pour terminer, hein, il ne va pas y en avoir pour bien long. J'ai partagé mon écran également. Hop. Alors, qu'on soit sur le bon écran. Oui, c'est bon. Donc simplement, oui, pour terminer, quelques dates à venir sur des formations chez Deltamu. On a deux formations qui sont prévues prochainement. Là, on a une formation IN02, donc comme Reynald en a parlé un petit peu plus tôt pendant le webinaire sur les incertitudes de mesure. Donc là, une formation sur l'initiation pratique et à la mise en place de ces incertitudes de mesure. Donc, dans nos locaux à Cournon d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, du 19 au 21 juillet. Et une seconde formation sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Là, pour le coup, c'est moi qui en ai parlé en introduction du webinaire. Donc, on a une formation qui est prévue en septembre pour prendre la partie au moins théorique de ces méthodes d'optimisation. Et également sur les méthodes de surveillance qu'on peut mettre en place. Voilà, écoutez, moi j'ai pu répondre aux questions en direct pendant le webinaire. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à nous recontacter, on sera disponible. Et sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.